reste à ton poste. Le colonel a des ennuis. Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de notre aventure sur Assassin's Creed Rogue. Pour le, je ne sais plus quel numéro d'épisode d'ailleurs. Alors je tiens juste à dire que je ne suis pas en live. Je commente après coup, tout simplement parce que je n'ai pas pu tout simplement enregistrer et la vidéo et le son le même jour, donc je le refais après coup, ça ne change quasiment rien. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons nous diriger vers notre prochain objectif. Je ne peux pas faire de déplacement rapide, pourquoi ? Bonne question, je ne sais pas. Sûrement pour écouter les discours, etc. que notre bras droit, je sais plus, ça a un nom, mais enfin bref, qui va nous dire. Donc c'est pour ça qu'on va se diriger là-bas, ça va être plutôt long. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va. Pour dimanche dernier, je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas pu. Et j'étais plutôt occupé, je n'avais pas fait de vidéo à l'avance. Et je n'avais également aussi pas d'idée de vidéo tout simplement à faire puisque j'avais fait pas mal de jeux. De temps en temps je vais faire juste retour, je vais faire un select histoire de regarder si je peux me déplacer, mais malheureusement on ne pourra pas, donc ça va se faire à la main entre guillemets. Donc voilà, mais pour revenir donc à dimanche dernier, je n'avais aussi donc pas d'idée sur quel jeu tourner, puisque actuellement je fais plutôt, on s'en fiche, mais bon, actuellement je suis plutôt sur les consoles portables. J'essaie de terminer les jeux que je n'ai pas fait et tout, donc là je suis plutôt sur du Professeur Layton que j'ai acheté, que j'ai toujours pas joué, enfin là voilà, je suis en train de les entamer, donc c'est pour ça que j'ai un peu laissé de côté les consoles de salon pour le moment, sauf si voilà vraiment il y a un jeu que je veux jouer, mais pour l'instant voilà, elles dorment le temps que je fasse mes jeux qui dormaient sur DS. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo le week-end dernier, en partie parce que voilà, je n'avais pas d'idée sur de jeu sur lequel vous faire une vidéo, et également pas d'idée, également pas de temps non plus, et pas de vidéo à l'avance. Donc voilà. Ensuite je voulais vous remercier, mais ça, enfin ça va être plus tard, etc. Mais je vais tout m'expliquer dans cette vidéo. Pour les 700 abonnés, 705 même abonnés actuellement, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Je ne regarde pas toutes les 10 minutes les chiffres, mais bon, c'est vrai que quand je upload une vidéo sur ma chaîne ou de temps en temps que je regarde si vous avez mis des commentaires, je regarde à peu près une fois par jour, une à deux fois par jour. Mon YouTube pour voir en fait tout simplement si vous avez mis des commentaires, et donc en regardant la notification, la petite cloche, de temps en temps je regarde également si vous êtes plus à m'avoir rejoint. Je tiens juste à dire, de temps en temps il va y avoir des petits soucis d'image, je ne sais pas pourquoi hélas, donc il risque d'y avoir peut-être un décalage de son par rapport à ce que vous verrez, je suis désolé. Ça vient sûrement de mon ordinateur ou du logiciel qui est pas mis à jour. Mais enfin bref, pour revenir donc aux 700 abonnés, donc je vous en remercie, 700, je vais regarder en attendant qu'on parle combien on est, mais je crois qu'on est 705 aux dernières nouvelles. Donc je vous remercie pour ça, et sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, mais plus spécialement sur Twitter, parce que je préfère ce réseau-là, et Facebook, je vous ai demandé quelle vidéo vous ferait plaisir. Pour les 700 abonnés, j'avais proposé une FAQ, une vidéo vous montrant ma collection de jeux, enfin ma collection de consoles et de jeux vidéo. Et la troisième, c'était, je ne sais plus du tout, la troisième, c'était quoi ? Une vidéo vous montrant ma collection d'Assassin's Creed, une sorte de update par rapport à la vidéo que j'avais fait pour les 100 abonnés, ça commence à dater. Donc pour les 100 abonnés, j'avais fait une vidéo que je montrais ma collection, mais elle a énormément grandi depuis. Donc voilà, j'avais proposé ça, et vous avez été plusieurs à me dire, à choisir l'option console et jeux vidéo. Donc j'avais commencé déjà, là aujourd'hui on est, enfin je tourne, il est mardi, ça se dit pas, on est mardi, et donc cette vidéo sortira demain, mercredi. Et j'avais fait hier, donc lundi, une vidéo, j'ai commencé à filmer pour justement les consoles. Je voulais faire un truc à la Benzaï, que j'adore comme youtubeur, qui a fait une vidéo Benzaï Live, enfin chez Benzaï, ou qui montrait sa énorme collection de consoles et de jeux. Mais lui il arrive à zoomer et dézoomer en même temps parce qu'il y a quelqu'un derrière, donc lui il peut reprendre la même position, etc. Donc c'est plutôt pratique, que moi il faudrait que je me relève, que je rezoome, que je remette, et j'ai pas de retour. Alors pourquoi je n'ai pas de retour? Tout simplement parce que ma caméra a lâché, et celle de mon père filme extrêmement mal.
Donc bah c'est un peu le caca. Donc pour dimanche, enfin je vais essayer pour dimanche en tout cas j'espère vous faire une vidéo sur sur mes consoles et jeux. Enfin ça sera sûrement ce dimanche-ci console et le dimanche d'après jeu parce que je pense que sinon ça va prendre énormément de temps. Et encore je mettrai pas tout ce qu'il y aura mais bon voilà quand même. Donc ça sera filmé avec mon portable. Alors j'aime pas quand on filme avec le portable mais c'est vrai que j'ai vu de youtubeurs assez connus qui filmaient que j'entendais souvent qui filmaient avec un téléphone portable avec le dernier iPhone ou des trucs comme ça. Bon moi j'ai pas le dernier iPhone mais j'ai un portable plutôt pas dégueulasse qui est sorti récemment, je sais plus c'est quoi. On va pas faire de placement de produit mais je sais plus c'est quoi comme nom. Enfin bref, c'est un Samsung Galaxy mais je sais plus le nom à la fin, qui est plutôt pas trop mal. Et j'ai fait des tests en montage et c'est vrai que la qualité est presque autant mieux que ma vidéo caméscope. Donc bah je ferai sûrement des vidéos avec ça parce que je vais pas réinvestir dans une caméra pour le peu de vidéos que je fais IRL. Mais c'est dommage parce que je voulais faire un truc à la cool. Donc ce sera une vidéo un peu pas bâclée mais elle sera pas dans l'esprit que je voulais faire et c'est un peu dommage. Mais bon, ça je vous expliquerai ça dans la vidéo 700 abonnés si elle arrive à sortir parce que faut que je vois si j'arrive à la faire. Et si j'ai le temps parce que ça prend plusieurs heures, enfin plusieurs heures, je sais pas, mais en tout cas il faut que je puisse avoir tous les jeux et tout ensemble. Donc voilà. Ça c'est autre chose. Donc voilà, on se retrouve sur l'île. On a enfin fait tout le chemin pour arriver jusqu'à cette petite île où qu'on va faire plusieurs missions d'ailleurs. Enfin non, on va surtout aller le voir lui et après on va se barrer. Shay, quel plaisir de te voir ici. Jack, le colonel Monroe s'est rendu au général de Montcalm. Les Français et leurs alliés Abenaki ont pris Fort Henry. Johnson devait me retrouver ici avec des renforts. Eh bien, je ne vois personne. Les Abenaki s'impatientent. Ils n'acceptent pas la reddition et refusent d'écouter Montcalm. Le colonel et ses hommes ont été libérés ce matin. Ils courent droit dans une embuscade. Reste ici, au cas où Johnson arriverait. Je protégerai le colonel. Merci. Je vais peut-être enfin pouvoir payer ma dette. Donc vous voyez qu'il y a un gros décalage de son. Je suis désolé, malheureusement je peux pas le rectifier. Il faudrait que je re-retourne et tout. Donc bon, l'avantage c'est que vu que je suis pas en live, j'avais pas vu sur le coup parce que j'avais pas le retour son de l'ordinateur au moment que j'ai tourné. Mais l'avantage c'est que vu que je commente après coup et pas en live, et ben je vais pas reparler dessus, etc. Et je vais pas avoir à recommencer le commentary. Donc bon bah ça va être décalé, mais au moins vous allez entendre tous les trucs malgré que ça va être chiant puisqu'on va voir Shay. Et je sais plus comment Monroe après parler tout ça. Là vous avez pu voir qu'il m'a bien eu. Alors tout simplement parce que je vous rappelle que vu qu'on est contre les assassins, il y a ces fameux guetteurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les guetteurs qu'on entend chuchoter. Ouais, je crois que c'est, on dit chuchoter ou siffloter, enfin bref, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais qu'on entend en fond. Et grâce à la vision d'aigle, on a une boussole tout simplement. On a la boussole qui nous indique où c'est qu'il se situe. Et je l'entendais, et j'avais la boussole, et des fois on entend même des petits cris avant qu'il nous attaque. Mais malheureusement, je le pensais pas en haut. Et en fait, vous allez voir que là, je vais le retrouver en haut. Et je vais pouvoir le fumer. Alors là, pourquoi pourquoi Shay ne veut pas sauter, c'est une bonne question. J'appuyais sur les mêmes touches que précédemment, mais je ne sais pas. Donc au bout de 10 minutes, il a enfin compris. Donc là, on entend les chuchotements. Alors il y avait lui, mais c'est pas lui qui m'a gêné en fait. C'est lui qui est en haut et que je vais fumer comme ça. Voilà. Et comme ça, là, on est tranquille et on va pouvoir, bon, assassiner l'autre qui était dans les. Non, même pas. Je croyais qu'on allait leur assassiner, mais tant pis. On va se barrer. Et il y en a un autre qui nous jette des couteaux de lancer ou je ne sais quoi. Et c'est ça un peu qui m'a déstabilisé la première fois. Mais je crois qu'en fait, c'était celui qui était en hauteur qui m'avait gêné. Donc voilà, là, on se retrouve face. Enfin, face à Monroe, pas tout à fait. On va devoir l'aider un petit peu contre ces assassins. On doit en tuer deux, c'est tout. C'est pas la mer à boire. Je crois qu'il y en a peut-être un troisième. Non, je crois qu'on. Non, c'est tout. Donc là, il y aura plus qu'à l'escorter. Et là, ça va être long. Et c'est même pas un bug du jeu ou quoi que ce soit. Ça va être ultra long après qu'il ait fini de parler. Et je me rappelle que moi, quand j'ai fait ma première partie, c'était déjà le cas. Donc là, il ne parle plus. C'est pas un bug décalage par rapport à la voix ou quoi que ce soit. Il ne parle plus, plus personne bouge. Et au bout d'un moment, ils se mettent à bouger. Et encore, moi, je me rappelle dans ma partie à moi, ça a été un peu plus long et c'est chiant. On dit, oh, ça a bugué et tout. Non, c'est tout à fait normal. Pourquoi, je ne sais pas.
Mais bon, c'est peut-être le temps que ça se mette en route. Donc là, là-bas, on a vu un assassin courir. Donc on va sûrement se resubir une attaque, bien entendu. Alors j'attends un peu parce que je sais qu'au bout d'un moment, il va y avoir une cinématique à peu près par là. Après que Monroe et Shay aient parlé, on va bien voir. Alors j'aime bien, c'est que Shay enlève en fait sa cagoule pour la fumée. Mais vu que la tenue a déjà une cagoule, ça fait un peu con parce que genre il enlève une seconde cagoule. Mais bon, ça c'est autre chose. D'ailleurs, dites-le moi si vous voulez que je change de tenue. Moi je la trouve plutôt stylée celle-là, donc c'est pour ça que je l'ai prise, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a une belle gueule et elle change un peu. Faut pas. De toute façon, il a pas de capuche, sûrement pour se différencier. Alors oui, là je vais me vénère, ce qui m'a poussé. Et j'étais prêt à le tuer, après j'ai dit non, si on recommence la mission, tant pis. Tu es vivant ? À l'attaque ! Tous à l'abri ! Donc là voilà, on va pouvoir s'attaquer et aider Monroe, donc on va pouvoir tuer tous les assassins. Là ça va pas être trop dur puisqu'ils sont surtout, comment dire... Je vais dire à l'affût, mais pas vraiment. Ils sont surtout concentrés sur les troupes pour eux qui sont ennemis. Donc nous, ça nous aide simplement parce qu'on a juste à leur foncer dessus derrière, vu qu'ils sont déjà occupés. Et voilà, c'est pas hyper compliqué. Donc voilà, ça a été plutôt vite. Je voulais sortir les épées, même pas eu besoin. Donc nous, on va devoir monter là-haut, se lancer aux trousses de Kese Gorwaze, j'imagine qu'on prononce comme ça. Je ne sais plus trop. Normalement, je crois que c'est là où il va y avoir 8 ou 9 cibles à tuer. C'était plutôt galère quand on doit le faire en mode discret. Là, je l'ai fait en mode pas bourrin, mais voilà, j'ai pas fait discret. Mais si vous voulez faire ça en discret, c'est faut choper le parcours en fait. Et la première fois, ça va pas vous paraître évident, mais moi de tête, je voulais le refaire, mais là, je l'ai plus du tout en tête. Donc voilà, j'ai fait un peu à l'arrache. Mais c'est tout à fait passé comme il faut. Donc on verra bien. Alors, ensuite, voilà. Donc on va commencer par celui-ci qui est tout à fait normal. Et voilà, c'est tout à fait logique de commencer par lui. Alors faut savoir que je vais mourir, malheureusement. Je ne sais plus comment. Je crois que je vais me faire retirer par derrière. Un truc comme ça. Il y en a un autre qui va me repérer. En fait, ce chemin-là est assez logique. Mais au bout d'un moment, on se retrouve facilement à vue par rapport aux guetteurs qui sont de l'autre côté. Et faut pas oublier qu'il y a les assassins qui sont aussi prêts à l'affût dans les fougères et tout, donc faut faire gaffe à eux. La preuve, là je crois que je vais m'en manger un si je dis pas de bêtises au moment que je vais vouloir le tuer. Je sais plus trop, on va voir ça, mais je crois que non, voilà, vous voyez, donc hop, il a juste profité. Et j'étais en fait, j'ai cru que la boussole m'indiquait les cibles en rouge et pas du tout, elle indique bien entendu les guetteurs et pas forcément les cibles que vous devez assassiner. Donc bah j'étais un peu con. Ah, on va pas se mentir, j'étais un peu con et malheureusement ça m'a fait tout rater. Alors c'est pas là que je vais mourir, ça je vous conseille pas trop de le refaire, mais bon, j'ai voulu gagner du temps. Là bon, celui-ci était assez facile, donc j'ai voulu rusher dessus. Bon, là où il y a pas un guetteur mais quelqu'un qui allait nous tirer dessus, mais lui ça allait. Alors, je sais plus, non en fait ça se trouve je vais peut-être même pas mourir. Je crois que je vais pas mourir. Alors faut penser que ces bois là font une sorte d'échelle. Sur le coup j'étais pas sûr de l'autre côté, c'est pour ça que je l'ai pas prise de l'autre côté, je l'ai prise de ce côté là. Parce que j'étais plus sûr, donc j'ai dit là si je me rate j'aurais l'air moins con. Mais voilà. Donc non, je vais pas mourir, mais par contre voilà, il y a plusieurs gars sur moi, donc je tue ces deux là au flingue. Et après je vais rusher sur le dernier parce que le temps qu'il recharge, vu qu'il m'avait visé, tant qu'il recharge c'était mort. Malheureusement j'ai pas pu lui rusher dessus pour le tuer, mais bon voilà, j'ai assassiné en bourrinant. Et c'est rentré tout seul vu qu'il était plus que... Bah voilà, il était tout seul, donc c'était bon. Là, on va devoir retourner escorter Monroe et ses hommes. Ou Momo pour les intimes peut-être. Donc ça va, ils étaient pas trop loin, ils attendaient juste qu'on fasse le ménage. Ils sont pas trop fait chier, on va pas se mentir. Et on va pouvoir avancer vers le bateau, enfin vers la fin de l'île. Et là je faisais gaffe parce que j'entendais encore les chuchotements. Donc je me suis dit, ça se trouve ils vont tomber sur Monroe ou sur moi ou sur ses hommes. Encore ses hommes, on s'en fiche. Mais je croyais qu'ils allaient tomber sur Monroe ou moi. Donc c'est pour ça que je regardais, mais en fait non, ils étaient en hauteur. Et je pense que s'ils auraient attaqué quelqu'un, ça aurait été moi. Donc ça va, j'étais tranquille. Là, je vais prendre un petit peu d'avance par rapport à Monroe. Je vais monter sur les arbres. De toute façon, c'est indiqué, c'est la mission à faire. Il veut pas trop se mouiller, de toute façon, Pépère. Donc on va devoir prendre de l'avance. Mais malheureusement, je vais rater.
Comment, je ne sais pas, de toute façon, vous allez voir ça, on va devoir refaire ça. Cette petite séquence-là où qu'on en tue 4, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a 4 ou 3. Peut-être même moins. Donc voilà, là, je m'étais déjà fait tirer dessus, donc c'était assez chaud. Sachant qu'il y en a un autre de l'autre côté. J'ai essayé de l'esquiver quand même, mais à partir de ce moment-là, je me dis que c'était foutu. Parce que le temps que je le tue, l'autre, il a le temps de recharger et tout. Par chance, non. Parce que je vais lui tirer dessus. Mais malheureusement, le timer se met en route. Et j'ai voulu assassiner la dernière cible, chose que j'aurais pas dû faire. Et malheureusement, le timer va arriver à zéro, alors que je pensais que le timer allait se remettre quand j'allais revoir Monroe, mais malheureusement non. Donc là, je le cherche et on arrive à zéro, donc tant pis. On a dû recommencer et on va voir les assassins tuer Monroe, je crois. Voilà. Comme vous avez pu voir, c'est pour ça que je parle sur la cinématique, parce que de toute façon, c'est une cinématique. Pas du tout en rapport avec l'histoire, vu que c'est une cinématique de mort, de fail, de ratage, enfin appelez ça comme vous voulez. Elle n'a pas lieu d'être. Donc je recommence, cette fois je prends un autre chemin, je prends le chemin opposé. Mais bon, de toute façon ce chemin-là ou l'autre, ça ne change quasiment rien. Donc je vais passer par ce petit monsieur, que je vais ensuite tuer le deuxième. Cette fois je vais ne pas faire le foufou à vouloir tous les tuer comme il n'y a pas et pour rien. Cette fois, je vais plutôt la jouer tranquille et arriver directement dans le tas de foin. Le peu qui reste de cibles ne sont pas, comment dire, obligatoires et importants. Hissez les voiles! Vous avez entendu le capitaine! Tous à vos postes! En vitesse! Allez! Je vous dois la vie, Master Cormac. Moi aussi, colonel. Nous avons bien des choses à nous dire. Hélas, je dois m'occuper de mes troupes. Colonel, je vais avec vous jusqu'au comptoir de Johnson à Onakwaga. Partons sans tarder, Master Cormac. Je vous attends là-bas. Donc voilà, j'attendais parce que vu qu'il y a eu ce maudit décalage de son, j'attendais que ça se finisse comme il faut. Donc on va repartir vers 1000 mètres. Vers 1000 mètres, ça veut rien dire. On va repartir vers notre prochaine destination, cette fois-ci. Et il n'y a pas de déplacement rapide, donc on va devoir longer le fort. Et longer toutes les falaises. Je regardais si en dessous c'était plus rapide ou si le côté forteresse ça allait être plus rapide. Et bon, c'est le côté forteresse qui est plus rapide. On va pas essayer de la détruire, tout simplement parce que mon Morrigan n'est sûrement pas assez fort. Et puis j'avais pas envie de durer 3 heures à essayer de sûrement détruire quelque chose que je n'allais pas pouvoir. Donc cela ne m'a servi complètement à rien de vouloir passer par là. Je vais plutôt longer la falaise. Et le bateau nous recherche même pas, et je crois qu'on va même pas se faire tirer dessus par le fort. Il y a juste ces maudits vents qui vont nous saouler, qui vont sûrement nous ralentir durant cette petite traversée. Et j'avoue que c'est assez chiant, mais bon, il y a pas le choix, hein. C'est comme ça, ou voilà, vu que le déplacement rapide n'est pas lieu d'être, je n'ai pas le choix de passer par là. Il y aura juste ce petit bateau là qui va pas trop nous saouler. Puisqu'on va lui tirer dessus gentiment pour lui dire qu'on est un petit peu plus fort que lui quand même. Donc voilà, je vais juste rentrer dedans. Il va même pas, je crois pas qu'il va nous chercher à nous suivre. Je crois juste qu'il va rester en arrière et peut-être qu'il va essayer de nous suivre. Mais bon, vu les dégâts qu'on lui avait apportés, et voilà, il va pas aller très très loin. Ouais, il essaye de faire demi-tour. On peut le voir sur la minimap en bas à gauche. Mais voilà, on arrive trop loin et ça se trouve, il sert juste de... Et il sert parmi les défenses du fort, donc il va pas forcément nous suivre obligatoirement. On va plutôt nous diriger vers la petite île, parce que ça a été plutôt rapide. Je pensais qu'on allait durer plus longtemps à y arriver. Mais non, ça a été plutôt court. Donc ça va, malgré les vents. Parce qu'il faut savoir que le vent était en face de moi, donc bon, c'était assez chiant pour gérer les voiles. Mais ça a pas tellement gêné plus que ça, donc heureusement. On va se diriger vers cette île là qui va nous en donner plusieurs, enfin qui va nous donner plusieurs missions à faire, mais ça vous allez voir quand on va être arrivé à bord, quand on va être arrivé sur la terre ferme. Et malheureusement, ça va être assez chiant parce qu'après les endroits sont pas forcément ont pas forcément un ponton pour qu'on puisse s'amarrer, donc ça va être plutôt chiant. Mais bon,
Nous, on va plutôt s'inquiéter pour l'instant de rejoindre l'île, aller en haut et voir ce qu'on doit faire pour la prochaine mission. Il faut que je pense également à, comment dire, à retourner de temps en temps voir un capitaine de port, je crois, un truc comme ça, ou un armurier pour voir si Shay ou le Morrigan pourraient avoir des améliorations mieux que ceux qu'ils ont actuellement. On verra bien de toute façon. Colonel, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Mes hommes vous ont trouvé délirant et à moitié noyé. J'ignorais qui vous étiez. Mais votre habit vous a trahi. Je vous ai confié au bon soin des Finnegan. Leur défunt fils était des nôtres. Master Johnson était furieux. J'ai couru le risque. Mais j'étais persuadé que vous aviez abandonné vos frères. Colonel, le manuscrit... Pourquoi me l'avoir rendu ? Parce qu'il se trouve que j'ai foi en vous. Il ne saurait être mieux gardé. Pardon, mais... Je suis maintenant plus exposé que vous. Messieurs, Kesegowaze va attaquer Albany. Ses alliés menacent un paisible village au Neyout. Alors, cette fois, on est arrivé... on a réussi à faire... à rejoindre la mission. Ah mince, j'avais oublié qu'il y avait ce décalage de son. Donc on les entend toujours, mais bon, tant pis. Alors cette fois, il y a deux endroits qu'on peut aller. Nous, on va se diriger vers celui de droite, qui me paraissait le plus proche. Après, je sais pas vraiment en distance si c'est le plus proche. Là, pour appeler le navire, mais bon, Morrigan est déjà là, donc ça nous sert à rien. On va plutôt aller vers l'endroit qui est à 400 mètres. Et je crois que ça va être... rejoignez le village indigène, normalement, si je ne dis pas de bêtises. On va devoir en libérer plusieurs, comme vous l'aurez compris. Donc on va surtout faire ça, on va la terminer là, cette mission là, et on reprendra ça beaucoup plus tard, mercredi prochain, pour un nouvel épisode. Mais en attendant, on va surtout se diriger vers cette petite île, alors qui est plutôt proche. Mais je regarde actuellement parce que la dernière fois j'avais pas vu de ponton pour s'amarrer et j'en en vois toujours pas, donc j'ai plutôt pris... Alors, je vais baisser le son du jeu parce que j'ai plutôt pris la corde, hein, tout simplement, pour pouvoir aller sur l'autre île, parce que je me suis dit que bon, il y avait pas d'autre façon, donc tant qu'à faire, autant foncer dans l'eau. Et on va monter par là et nous faire le petit point d'observation, parce que c'est toujours un conseil que je vous donne. Moi, de toute façon, enfin voilà, je les fais pas tous durant cette aventure, mais c'est un conseil que je vous donne. Toujours faire les points de synchronisation, bah tout ce que vous voyez, de toute façon, les faire, parce que ça ne peut être que du bénéfice et pas des malus. Donc autant tous les faire. Et là, l'avantage, c'est que ça va nous permettre de voir un peu où sont retenus les indigènes, et permettre peut-être de les sauver plus facilement. Moi, je vous conseille pour cette mission là d'essayer d'en sauver à des endroits où ils sont plusieurs. S'ils sont des groupes de 2, 3 et ici, quand ils sont tout seuls, ça sert à rien. De toute façon, il y aura plusieurs chances, puisque si un décède, vous allez forcément pouvoir en sauver un autre. Il y a plus que 12 villageois à sauver, mais moi je vous conseille des groupes de 2, et si possible des groupes pas trop gardés. Et sans sniper qui guette. Ou voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci, parce qu'il déjà il est plus proche. Et vu que l'autre, j'allais surtout m'en taper deux, le troisième, le temps qu'il arrive, bon, c'était un peu plus long. Donc j'ai préféré faire ce sauvetage-là en premier. Mais vous pouvez très bien faire d'autres, hein. De toute façon, on va en faire plusieurs. Là, l'avantage, c'est qu'il jette des bombes fumigènes, donc ça me gêne en rien. Il ne va pas tuer d'indigènes, donc c'est l'avantage. Surtout faire en sorte que ça soit rapide pour pas qu'il n'ait le temps de tuer des indigènes. Donc là, au début, je croyais que c'était un indigène mort, mais non, c'est un assassin. Ils ont à peu près les mêmes couleurs de tenue, donc bon, c'est pour ça que je les ai un peu comparés. Donc là, on en a déjà libéré deux. On va en libérer deux autres. Ceux-là, ils sont plutôt faciles. J'attendais en fait qu'ils soient à peu près dans ma ligne de mire, entre guillemets, pour que je puisse rusher dessus, parce que voilà, dès que je vais tuer le premier, le deuxième, je croyais qu'il allait réagir, mais pas du tout, donc ça m'a permis de pouvoir libérer ces deux-là, sans somme à 4 sur 12, ce qui est plutôt facile.
Là il y en avait deux, donc là j'avais juste à sauter, c'était impeccable. Mais malheureusement il y en a d'autres qui guettent derrière, qui faisaient la ronde. Donc j'ai plutôt cherché, j'aurais pu me barrer parce que voilà les villageois étaient libérés. Mais au cas où qui les pourchassent, j'ai préféré les tuer. Comme ça au moins j'étais sûr que les deux citoyens étaient comptés. Donc ça nous en fait déjà la moitié, nous sommes à 6 sur 12. Donc voilà, c'est en faisant des groupes de 2, ça va être plus simple. Je crois qu'il y a des groupes de 1, hein. Enfin des groupes, je sais même, non, c'est même pas des groupes de 1. Je crois qu'il y a des villageois qui sont seuls et que vous pouvez sauver. Bah, je crois que celui-là qui est en face de nous, il est seul, mais je crois que je vais quand même le faire parce qu'il est sur ma lignée. Mais sinon, voilà, d'abord privilégier les cibles qui sont plusieurs, comme ça vous pouvez en libérer plusieurs d'un coup. La chose à ne pas faire, absolument pas faire, je sais même pas ce qui m'est passé par la tête pour le faire, c'est d'utiliser votre pistolet. Bien entendu que ça va alerter tous les gardes qui sont autour, donc c'est complètement débile, et plutôt utiliser le soporifique ou le truc qui énerve, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a tellement changé de nom au fil des années dans Assassin's Creed que je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais plutôt privilégier voilà la fléchette soporifique plutôt qu'autre chose. La preuve c'est que là voilà tout le monde me recherche. Bon, l'avantage c'est qu'ils vont dire un par un sur moi, donc bon je vais pouvoir les éliminer. Mais c'est un gros bordel parce que là je ne sais pas s'ils ont fait des victimes, mais je ne crois pas vu la barre. Mais c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas de faire, puisque ça met en péril la vie de des cibles à sauver, et c'est complètement débile. Mais bon, nous en sommes à 9 sur 12, l'avantage, voilà. Petite précision si je ne l'ai pas dit, mais l'indication des villageois est indiquée par un marqueur avec 3 personnages dedans à peu près. Donc ça, je pense que vous aurez remarqué, lui il était plutôt simple à tuer. Donc je lui ai juste foncé dessus, et je lui ai sauté dessus comme il n'y a pas. Donc nous en sommes à 11 sur 12, et là ça va être un peu plus loin. Mais bon, ça va être assez simple parce qu'il y a des trucs, et là j'ai voulu le faire, c'est que j'ai voulu la faire safe, comme on dit. Parce que je me suis dit, bon, s'il me repère et tout, j'ai peur qu'il les tue. Sachant que vous voyez, il y a encore 4 icônes de villageois, donc voilà, il y a quand même, si vous vous ratez, il y a toujours moyen de vous rattraper sur le reste. Enfin, je pense que c'est pas infini, mais bon, voilà, vous êtes assez tranquille. Là, j'ai failli retirer au pistolet sur tout ce qu'il faut pas faire, parce que l'autre a les villageois en viseur, donc c'est surtout à ne pas faire. Mais heureusement, je me suis rattrapé. Donc voilà, les deux dorment, et vous avez même pas besoin de les tuer, juste à libérer les deux otages. Vénérable. Mon nom est Shay Patrick Cormac. Je suis un ami. Oui, un ami. Tu as la gratitude de mon peuple, Shay Patrick Cormac. Et tant que tu seras de ce monde, tu auras ta place ici, parmi nous. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie, jeune guerrier. Aurais-tu la bonté de m'accompagner? Mon nom est Onata. Une légende de mon peuple raconte comment est née la terre sous nos pieds et comment le bien et le mal sont venus au monde. La femme du ciel a répandu son savoir sur nos terres. Suis sa voix et tu découvriras la véritable histoire de notre peuple. Qui sait, peut-être même le trésor que renferme cette grotte, si tu es bien le héros que je crois. Vous m'honorez, vénérable ancienne. C'est toi qui nous honore, Shay Patrick Cormac. Adieu. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Assassin's Creed Rogue, ce nouvel épisode, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à mettre un j'aime également. Moi en attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ce Geek et Bien. C'était Shadow Nightmare. Et à la prochaine! Salut tout le monde!